Et bienvenue sur la chaîne de Zanugatine pour un nouveau rendez-vous sur les Cavages Blaster pour le troisième épisode de la team aléatoire. Sauf que cette fois-ci, je vais tirer des yokai, mais cette fois-ci, on jouera online. Donc, je vais tirer d'abord un yokai, on fait une mission online, j'en retire un autre, etc. On fait la mission, j'en retire un. De toute façon, vous allez comprendre. Si ce concept vous plaît, lâchez les pouces bleus, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis, sans plus tarder, nous allons commencer par tirer le premier yokai. Ok, donc nous voici. Nous allons commencer par tirer le premier yokai. Alors là, je tourne le tirage. Ce tirage-là, je le tourne avant la vidéo. Donc là, voilà. Donc là, je vais dans le médaillon. Attention, mesdames et messieurs. Le numéro 330. Ok, donc on va en tirer, je sais pas combien, 3 ou 4, je pense. Enfin, pour l'instant, on va en tirer un et après, on verra pour les autres. Bon, 330, c'est encore loin. 330, c'est avant. C'est par là. C'est Flopito. Ok. Sympa. Ok, donc nous sommes tombés sur Flopito. Donc vous pouvez voir d'ailleurs l'équipe que j'ai. Bon, voilà. J'ai joué Cerbébert avec la concasseur. Donc, règle. Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? J'ai le droit de les monter de niveau si jamais le cas est trop bas de niveau. Même si bon, j'ai pas d'Orbony, donc voilà quoi. Donc Flopito, je sais même pas si je l'ai, normalement oui, hein, lui, Franck, y a pas trop de soucis. C'est un rang A, je crois. Ok, c'est peut-être un rang B en fait. Attends, Flopito, je veux dire, voilà quoi. Flopito, voilà. Après, il est pas mal parce qu'il a quand même les deux attaques d'esquive. Ah, il se joue physique. Bon, je pense qu'on va jouer classique. Hein. Un set avec le rayon de lune, avec une âme griffe dorée. Hein, voilà, pour qu'il tape beaucoup plus vite. Il va être extrêmement rapide, hein, par contre. Par contre, moi, je suis plus à l'aise avec amuniser là, voilà. Ah, quoique, en fait, non, peut-être pas, en fait. Dans immunisé, je suis plus à l'aise quand t'as un bouton Y. Ouais. Donc, on va rejoindre des abonnés si vous jouez. Sinon, je vais créer une session et on verra s'il y a des gens qui rejoignent. Voilà. Connexion Internet. Après, j'avoue, s'il y a personne, c'est pas grave parce que j'ai prévenu personne. Mais bon, s'il y a des abonnés qui jouent. Ok. Bon, tous les rangs, amis seulement, voilà. On va voir s'il y a des gens qui rejoignent. Bon. En attendant, je vais essayer de voir Flopito, on va essayer de l'étudier un petit peu. Donc c'est un cas qui avait quand même 105 de force au niveau comme ça, donc enfin niveau 41. Il a une âme ultime qui baisse la vitesse, donc ça peut être bien si on fait des chasses à l'orme. Ça peut être bien aussi si jamais on fait des boss et qu'il y en a un qui se casse, là vous voyez les boss qu'on peut taper. Il y a certains boss comme Crocho, genre quand tu les bats une première fois, tu peux les taper pour avoir des orbonies. Bah lui, ça peut être bien sur ça. Il est niveau 41, mais j'ai vraiment pas du tout d'orbonies. J'ai tout donné sur le Cerbébert que vous avez vu tout à l'heure. Par contre, j'aime bien quand il se déplace. Regardez comment il est rapide. Il est trop rapide. Par contre, ouais, je crois que par contre, Mister Beat, lui, il est vraiment pas bon. Je crois que lui, il est mauvais. Je vais regarder. Mister Beat, je crois. En fait, je crois qu'il y en avait un des deux qui était rang A, je crois, dans les Kawatch 1. Je crois que Mister B, d'ailleurs, il est passé rang C, là. Ouais, il est rang C. Il est pareil, sauf que lui, il a plus d'esprit. Ouais. Il doit avoir siphon. Donc lui, je pense que Mister B, ça aurait été le pire. Parce que déjà, en plus, le mien est niveau 22, et puis même niveau attaque qu'il peut apprendre. Voilà, quoi, il y a mieux. Donc il y a personne qui a rejoint, donc on va rejoindre des gens au hasard, hein, des gens qu'on connaît pas. Moi qui ai un abonné qui se connecte là comme ça, mais non. Ok, on va rejoindre eux. Alors avec le talent de Flopito, c'est comme ça, on avait 3 poupées de suite. Déjà enchanté, donc salut à ceux qui sont dans la vidéo. Je sais pas s'ils sont français, je vais regarder. Ah ok, bon, on peut pas savoir, mais je pense qu'après il est français, même Mathis en général c'est français, lui on peut pas voir. Et Alex, on peut pas voir. Ok. Bon, vous allez voir, Flopito, il va tout défoncer. Mathis, il joue Orcanos, ok.
Orcanos avec le. Ouais. Ouais, c'est jouable aussi, hein. Faudra juste. Ça, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent des blindages, quoi. C'est jouable aussi, hein, Orcanos. Bon, après, Orcanos en général, la seule épée qui passe sur lui dans les épées de Roche Shogun, c'est l'épée Dragon 2 parce qu'elle augmente la puissance de la multi. Donc, avec le déblindage plus, c'est fort. Roboyan 3000. Alors, par contre, je sais pas comment on va faire. Ok, Zebardi. Alors, évidemment, si on perd, j'en repioche un autre. Mais je sais pas si je resterai avec eux. On ira avec d'autres joueurs, je pense. Ok. Je pense qu'on va en tirer encore deux après. Donc Roboyan 3000, Flopito, attention. Après, on a déjà, genre, on a déjà découvert des masterclass. Genre par Domino, je pense pas qu'il était aussi intéressant. Oh là là. Ah mais il y a un hacker. Bon bah d'accord, ça va être ça. Ouais mais c'est chiant du coup. Ouais bon. Ouais mais c'est pas drôle parce que du coup on peut pas voir les dégâts qu'il faisait. Ah bah raison de plus faut pas rester avec eux hein, parce que si c'est pour faire ça, ça sert à rien. Alors les hackers on vous aime hein, mais bon, il y a des fois où genre bon ça peut aider mais bon là j'avoue que j'avais pas trop besoin. En plus, c'est pour qu'il galère à sortir, il va pas intérêt. Bon, bah on va quitter la session et on va piocher un autre yokai. On va juste voir ce qu'on va gagner. Après vu que c'est un hacker, peut-être que les objets sont random, mais après vu que c'est pas lui qui a choisi la mission, bah je sais pas. Ok, nous allons voir. Ouais bon ouais. Bon n'importe. La batterie. Ok. Flopito. Bah, on n'aura pas vu ses qualités de combattant. Mais bon. Bref, nous allons piocher un autre yokai. A tout de suite. Ok, donc nous revoici. Donc cette fois-ci, je tourne pas avant la vidéo. Là, on vient juste de finir le combat là contre Robin 3000 avec Flopito. Donc nous allons commencer tout de suite par tirer 309. Donc c'est pas loin de Flopito ça d'ailleurs. On a vu 330 tout à l'heure. Donc 309, c'est sur cette page. 309, c'est Volatriste. Ok. Ok, donc nous revoilà. Donc on a eu Volatriste. Donc, je crois que Volatriste, il est pas super bon. Hein. Déjà, je crois que c'est un yokai qui a beaucoup d'attaques. Enfin, qui a une trop grosse attaque pour un trop faible esprit. Et je crois qu'il a que des attaques d'esprit. Donc, c'est vraiment pas super fou. Lui, par contre, je sais que je l'ai. Donc, ça rend A dans les sinistres. Ouais, je l'ai, il est là. Au niveau 65. Ouais, bon, voilà. Position de rapidité, on va faire ça. Bon, je pense qu'on va jouer pareil. Hein. Flopito, merci d'avoir été là. Tu nous as grandement aidé. Sans toi, on n'aurait jamais réussi à le battre. Franchement, c'est vrai, hein, faut le dire. Donc on va jouer pareil, hein, voilà, rayon de lune et âme restaurée. Donc le but, ça va être de spammer, et si jamais je suis trop loin de l'ennemi, bah, je pourrais faire la tornade pour booster quand même l'attaque, et j'ai la hausse et j'ai la position de rapidité. Super spin, forte baisse des statistiques de l'ennemi, ça peut être sympa. Alors Volatrice, c'est un bon yokai de support, je sais pas si j'en avais parlé dans ma vidéo des meilleurs supports, mais... Là, bon, y a personne qui joue, y a un hacker qui a Woko, enfin qui a le un peu rose là.
Ok, bon. On va rejoindre voilà, on va rejoindre eux. Parce qu'ils sont déjà 3, donc comme ça on est 4. Ok, j'avais peur que ça soit un sapion B avec Apus envahisseur. Oh, ça m'énerve les gens qui spamment comme ça. Les gens qui spamment les pseudos pour que les gens pour qu'ils acceptent la mission. Regarde, ça m'énerve le mec en bleu là, il spamme les pseudos, on dirait. Bon, on dirait les. Ça m'énerve les gens qui font ça. Attends, le mec il vient d'arriver. Mais le mec il vient d'arriver, c'est bon, il abuse. Attends. Il casse les pieds. Il vient d'arriver, attends, laisse-le venir, quoi, voilà. Ok, bon. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est la mission avec. Je crois qu'il faut battre Démophage et Vampiric en même temps. Ok, c'était rapide. J'ai quand même envie de voir les dégâts qu'il fait avec la tornade. Ok. On verra pas. Cette mission-là va être un peu plus longue que l'autre. Ok. C'est rapide en vrai. Hein. Il y en a encore, hein. Je crois qu'il y a encore les. Il y a encore le truc avec Supra, avec Arachnus, avec Shogunian, et après il y a les vampiriques et Démophages. On dirait qu'à danse voilà tri quand t'as fait ça, regardez. Ok. Là, c'est les généraux bouffis farceurs. Ok. Ça va. Ok, là ça va être chaud. Bah, après, bon, je ferai pas d'attaque chargée. Ah, 102 quand même. Après, je chargerai pas la tornade hein, quand je serai loin. C'était juste pour voir les dégâts. Là, on va surtout spammer les attaques.
Une attaque normale. Ah, voilà, Triss qui résiste quand même. Hein. Ah, ok, Demofage est déjà presque mort. Ok, c'est bon. Je pensais qu'on allait galérer parce qu'ils avaient pas l'air fut-fut les mecs qui étaient avec nous, mais ok, ça va en vrai. On s'en sort bien. Par contre, la ultime de Volatrice, le temps qu'elle met à charger, c'est trop. Ok, c'est bon. Ok. On est trop fort. Bon, je pense qu'on va le faire une dernière fois. On va piocher un dernier yokai. Et après, on s'arrêtera là. Enfin, on s'arrêtera là. On fait une mission avec lui, quoi. On fait d'abord une mission et après, voilà. Vas-y, je vais faire exprès de prendre la dent juste pour les embêter. Regardez, je vais. Attention. Ok, bah j'ai la dent. Ok, allez, on va les voir. Attention, qui c'est qui va gagner? Attention, Nono qui se défend bien. Phoenix peut-être. Et c'est Nono qui gagne. Bien joué, Nono. Même si t'arrêtes pas de spammer, c'est pas grave. Bravo, Nono. On est fiers de toi. Une aura sur les Oni. Ok, on a eu des dorm ultra, ok. Ok, Zemandi, on va pas rester avec eux parce qu'ils ont l'air un peu bizarres ces gens. Bon, on va piocher un dernier yokai, à tout de suite. Ok, bon, dernier yokai de la vidéo, Zebardi 323, donc on est abonné au 300 hein, dans cette vidéo. Et j'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Comme ça, voilà, donc 323. Ok, bon, vous allez voir. Ok, donc je sais pas si vous savez sur qui c'est tombé. Bon, on va voir. Vous allez voir sur qui c'est tombé. En vrai, c'est un yokai qui est quand même plutôt utile en chasse à l'arme. Parce qu'on le voit des fois. Même si c'est pas souvent, on le voit quand même. Je sais pas où il est. Je sais pas si j'ai. Ah bon, bah, je le dis, hein, c'est Adolphe, ça s'est tombé sur Adolphe Faucheton. Mais je sais pas si j'ai. Non. Je vais regarder le Mimikai si jamais je peux pas l'avoir. Bon, après il sera niveau 1, mais moi avec les orbes unigés ça peut passer. Non, ok, bon. Attendez, est-ce que c'est un quoi? C'est un. Ah, non, mais attends. Comme tribu, c'est un sinistre lui, attendez. Je vais regarder. Alors, Adolphe Faucheton. Ouais, c'est un sinistre. Ok, donc on va regarder dans les sinistres, ça a avancé d'ailleurs. Ouais, non, j'ai pas. Ok, bon, on va regarder dans le middle même. Je pense pas que c'est avancé, je pense que c'est arrondi. Avancé du coup, donc on va appuyer par rond, on va laisser sinistre.
Ok. Ah. Je l'ai. Zedarni. Ok, bon. Ah, il est assez utilisé en chasseur parce qu'il a quand même deux des meilleures attaques pour ça. Je crois que son ami team a baissé la vitesse. Ah non, a baissé les stats. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer full défense, on va essayer de rejoindre une chasse à l'or, je pense. On va faire ça. Voilà, effet en mouvement négatif. Tes effets en mouvement négatif sont plus durables, ça va bien. Ok, bon, ça fait bizarre de jouer sur Kane, mais bon, admettons. Allez, là, il faut qu'on rejoigne des gars qui aiment la chasse à l'arme. Genre lui, peut-être. Ouais. Nathan. Ah. La situation est buggée, on dirait. Bon, bah, Nathan, je crois pas qu'on puisse te rejoindre. Ah, bon, mais je pense qu'on dirait qu'il veut bien faire la chasse à l'arme. C'est dommage. On peut pas rejoindre Nathan. Il y a Matozo qui joue, bah ouais, regarde mon joueur, on va être content, il va passer dans la vidéo. D'accord, ok. Evan, franchement, c'est vachement sympa de jouer avec toi. Tu vires tout le monde, c'est sympa, franchement. T'as qu'à faire une séance privée si tu veux pas qu'il y ait des gens qui viennent. Ok. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire tous les rangs. Vraiment tout le monde, sauf que là, c'est grand défi. Il y a un d'orbenier, voilà. Bah, tous les rangs, ouais, peut-être pas tous les rangs, genre 15 et supérieurs, quoi. Voilà, comme ça, tout le monde peut venir. Ok, donc je pense que la session va vite se remplir, parce que, bah, voilà, quoi. Ah, de l'eau, je suis tombé, je te dis là. Il esquive parfois les attaques. En vrai, combiné avec une dame orthogonale, ça peut être sympa. Ok, enchanté, est-ce que tu dis bonjour toi quand t'arrives dans une session ou pas? Il dit pas bonjour. Ok, il a l'équipe. Ok, d'accord. Il a quitté. On a eu un cavalier rire ultime, hein. Ça sert pas à grand chose de lui mettre le rire ultime. Après, si vous avez que ça. Ok. Bah, le rire ultime, ça a au moins fait chance de faire des coups critiques à distance, sachant qu'il n'y avait pas d'attaque à distance, ça sert à rien. Ok, on va dire bonjour. Est-ce que tu dis bonjour quand t'arrives dans une session, toi? Est-ce que t'es bien élevé? Ça a pas l'air. Ah, si. Il y a Lucas qui est là, bon. Ok. Et Matozo, ok, nickel. Ok, alors, donc on fait chasse à l'orme, c'est le seul truc qu'on peut faire, besoin avec Adolfo, je tombe, bon. Shadow, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Attends, ah, t'as gagné, vas-y, prends ton temps. Ok. Alors, en vrai, pour l'instant, le meilleur pour moi, ça a été quand même. Ça a été quand même celui d'avant. Ouais, j'ai bien aimé avec Wallace, c'était drôle. Bah, Flopito, là, ce qui était chiant, c'est qu'on était avec Caracœur, quoi, donc forcément, c'était pas drôle. Ça aurait pu être drôle si on était tombé dans une chasse à l'orbe, ok, mais bon, c'était un boss quoi. Donc là, il faut surtout aller sur les boss qui sont en mouvement. Putain, comment ils galèrent. Vers le boss, non, peut-être pas, parce que vu qu'on a quelqu'un qui baisse la vitesse, ça sert à pas à grand chose.
En plus, c'est ça, parce qu'on a, on a quand même 3 yokai qui ont attaque précipitée. Par contre, il met du temps à charger le truc. Alors, par contre, je sais pas c'est qui a une piège zapper, mais dommage. D'accord, je pensais que ça allait mettre plus de temps à charger. Ok, pour l'instant on s'en sort bien, on est tranquille. Ouais, je te dis harmonie. Ah, finalement, c'est peut-être, ça a peut-être à deux fouches tombées. Hein, ouais. Dommage. On a bien géré, en vrai. Avec des contre après, il va plonger le piège, nickel. Oh, on est bien là. Il va vraiment pas vite. Oh, c'est un génie qui est en ultime. Madozo. Oh, c'est bien quand vous les placez bien les ultimes, c'est bien, vous gérez les mecs. En plus, vous faites pas exprès, mais bon, vous gérez quand même. Ah, attention, il y a un autre mec qui arrive. Il y a un autre personnage qui est là. Bon, faut s'exécuter le all-in là. Allez, deux sont ensemble. Putain, j'ai plus d'endurance. Ok, elle est pas mal. 117 000, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bien, il y a Lucas qui a anticipé et qui est déjà parti chercher un boss. Ça, c'est nickel. Lucas, je ne crois pas que ce soit un abonné, mais en tout cas, si tu vois la vidéo, si jamais t'as un génie, mec. Ah, là, on est vraiment avec des bons gars. Les trois, c'est des bons. Hein. Matozo, Gisaline, Lucas, vraiment, les trois, c'est excellent. Il est bloqué. Il y a les deux boss qui sont là. Bon, je vais pas chercher presque dans la ultime, je vais pas la lancer sur lui, je pense. Ah, quoi que aussi. Le pauvre Armona. Moi je repars déjà. Nickel. En fait c'est un Marmonneur. Marmonneur c'est celui qui donne le plus d'harmonie, hein, même si c'est celui qui est le plus dur à arrêter. Ok. Ah ouais, il est fort à deux fouchetons. Bon, je l'avais déjà vu en chasse à l'arme.
Je comprends mieux pourquoi. Ok. Faut qu'on se dépêche. Ah, j'ai eu un piège à peur. Ah, vraiment, c'est par contre pas mal, mec. Ouais, je vais vous aider, hein, mais bon. Ok, c'est bon, on a géré. Bien joué, les mecs. Médaille d'or en plus. Ah là, vraiment, c'est nickel. Là, j'ai rien à dire, c'était une super session. Les trois qui étaient avec nous, Matozo, je sais que t'es un abonné, dédicace à toi, mon ref. 187 000 abonnés. Ok. Bah, merci à vous les mecs, donc merci à toi qui a regardé la vidéo, donc je sais que t'as déjà lâché ton pouce bleu, donc je te remercie. Je sais que t'as partagé, mais voilà quoi. Merci d'avoir partagé, enfin voilà quoi. Abonnez-vous et puis à plus pour une prochaine vidéo.